Regardez. Pas de preuve. Regardez mon bras. Ouais, je me fais arrêter. Ben, je m'étais déjà fait arrêter. Innocent jusqu'à preuve de contraire, c'est au Québec, c'est pas de preuve. Quel est mon papier, m'en va en cours déjà, là. Brutalité policière, pas de preuve. Hein, ça va être le fun en cours, madame l'avocat, comme ça quand vous avez pas de preuve. Nous autres, tout est sur des lives, tout est sur plein de caméras, puis vous autres, vous avez pas de preuve. Ça va être le fun en cours, hein. Ça va être vraiment le fun. Innocent jusqu'à preuve de contraire, c'est au Québec, c'est pas de preuve. Un autre victime de brutalité policière, regardez. Pas de preuve. Regardez mon bras. Ouais, je me fais arrêter. Ben, je m'étais déjà fait arrêter. Innocent jusqu'à preuve de contraire, c'est au Québec, c'est pas de preuve. Quel est mon papier, m'en va en cours déjà, là. Brutalité policière, pas de preuve. Hein, ça va être le fun en cours, mais ça va être comme ça quand vous avez pas de preuve. Nous autres, tout est sur des lives, tout est sur plein de caméras, puis vous autres, vous avez pas de preuves. Ça va être le fun, non, en cours, hein? Ça va être vraiment le fun. Innocent jusqu'à preuve de contraire, c'est au Québec, c'est pas de preuves. Innocent jusqu'à preuve de contraire, c'est au Québec, c'est pas de preuves. Innocent jusqu'à preuve de contraire, c'est au Québec, c'est pas de preuves. Innocent jusqu'à preuve de contraire, c'est au Québec, c'est pas de preuves. Innocent jusqu'à preuve de contraire, c'est au Québec, c'est. Ça va être vraiment le fun. Pas de preuve. Innocent jusqu'à preuve de contraire, c'est au Québec, c'est. Ça va être vraiment le fun. Pas de preuve. Innocent jusqu'à preuve de contraire, c'est au Québec, c'est. Ça va être vraiment le fun. Pas de preuve. Innocent jusqu'à preuve de contraire, c'est au Québec, c'est. Ça va être vraiment le fun. Pas de preuve. Pas de preuve. Pas de preuve. Pas de preuve. Ah!
Bonsoir, en manchette ce soir, la théorie du complot versus le complot. Et vos chroniqueurs ce soir seront Mathieu Boudreau, Florence Payette, Souffle Pétille, Marie-Pierre Simard, Val Belzile, A. Osben, Selim et notre invité Barnac. En direct du Brouhaha Rosemont à Montréal, j'aurais bien fait une joke sur Squid Game, mais j'étais trop occupé à trouver une joke de présentation pour 70%. Yeah! Ça, c'est dit! Il nous manque un Tommy. Ah oui, Tommy. Ah, puis on a encore de... OK, l'écho est parti. Hey, salut Barnac. Hey, bonsoir Bruno, comment ça va pas? Hey, écoute, ça va super bien. Moi, je trouve qu'on a du super bon son. Tommy est pas là. Bienvenue à 70%. Bonsoir, ladies and Japanese. Bien, bonsoir. Je ne suis pas habitué de faire la présentation de 70% et je vais être honnête avec vous. Quand Tommy l'a fait, en général, je l'écoute pas. Fait que je ne sais pas c'est quoi qu'il faut dire au début de l'émission de 70%. Écoute, je t'aiderais bien, mais je pense qu'on est une coupe à pas l'écouter dans son intro. C'est ça qui arrive. Moi, d'habitude, je suis assis là, puis je fais comme calice que c'est ma jouée. Sinon, en général, il nous parle de sa vie un peu. Aussi. Fait que là, moi, parle-nous de ta vie, ça. Cette semaine, je ne suis pas allé au Biodôme. C'est bien plate ton jeu. Voilà. Donc, c'est l'action de grâce. On était supposé d'aller au Biodôme, mais c'était sold out tous les jours. Donc, réservez à l'avance si vous voulez aller au Biodôme. Et sinon, c'est un... Hey, on a Tommy. On a Tommy! À nous! Yeah! Hey, c'est à mon tour en hostie. Hein, bonsoir Tommy, bienvenue à 70%. Hey, ben c'est Selim notre house band ce soir, mesdames et messieurs. C'est ça, présenter le house band, c'est bon, je prends des notes. Ben écoute, il y a quand même plusieurs personnes à présenter. Il y a Élise qui nous a trouvé l'invité, il y a Caroline qui prend les photos. Et dans le coin, si vous regardez juste là, il y a Pacou, Pascal l'amoureux Miron hein, de M Mystery sur Instagram qui est encore en train de nous faire une œuvre qui sera vendue à l'encan plus tard. Merci tout le monde d'être là, bienvenue à 70%, la soirée douteuse du lundi qui commence soit en direct au Brouhaha sur place, hein, comme vous. Ou soit ben, sur Twitch. Hein, on vous salue, les gens qui nous regardent sur Twitch. Voilà. Donc, écoute, vous parliez de la semaine. J'ai beaucoup aimé ça, Bruno. Là, t'as pris les règnes. Il y a le petit bout au début où tu jouais à victime, par contre. C'est un petit peu rough, ça. Oui. Non, c'était pour toi, là. On sait comment ça marche. Mais ça a marché, tu vois, je suis arrivé. C'était toi le bourreau, là. Je pense que tu peux le prendre. Oui. Voilà. Écoute, ce n'est pas la première fois que je suis le bourreau. Hein, et d'ailleurs, écoutez, comme c'est le mois d'octobre et que notre invité de ce soir hein, n'est pas quelqu'un qu'on n'a jamais vu, hein, c'est pas un total mystère. D'ailleurs, mesdames et messieurs, on peut dire salut à Barnac, hein, s'il vous plaît. Ben oui! Bonsoir! Bonsoir! Merci, Montréal! Je me suis dit que tant qu'à y aller dans cette direction-là, j'étais mieux de te dire salut, puis après ça, t'expliquer comment ça va se passer. Yeah. Parce que, tu sais, c'est le mois d'octobre, hein, c'est le mois de l'horreur, et nous, à 70%, on a souvent joué à Ouija, à la télévision, et ce genre de patente-là. Okay. Et à chaque Noël, on invite, on joue en fait à Ouija jusqu'à temps que ça réponde. Puis là, on dit « Esprit, es-tu là? » Puis là, ça va sur « Oui ». Puis après ça, on dit « Est-ce que t'es l'esprit de Noël? » Là, ça va sur le « oui », puis on arrête de jouer. Ah! On dit pas « goodbye », on veut que l'esprit de Noël soit prisonnier du musée de l'absurde. Donc, ça fait quand même plusieurs années qu'on fait ça, que ça marche très bien à chaque fois. Et ça m'a donné, Barnac, des pouvoirs secrets. Donc, je vais essayer d'un petit peu percer le mystère du gars qui porte une tuque en dedans. C'est pas vrai, je parlais de Giz. Giz aussi, il fait ça. Écoute, Barnac, moi, j'ai l'impression que ton animal de compagnie, quand t'étais jeune, il s'appelait... Popol. Il s'appelait Popol. Popol. Exactement, Popol. Non, mais c'était quoi ton... Polo. Polo? Polo. Ben, j'en ai plusieurs. Je suis quand même proche. Ça signera pas deux, trois lettres de différence. Parle-moi de Polo. Polo, tabarnoche. Hey, Polo, c'était tout qu'un chien. Polo, c'était un mix entre un collé et un labrador. Toi. Il t'avait le poil noir long, mais long. Là, il avait de l'air costaud, sans bon sens. Dans le fond, il était fragile. Bébé, ça. C'était mon petit chien. Ben écoute, Polo est avec nous ce soir, Barnac. Et ce qu'il aimerait te dire, te passer comme message, c'est qu'il est fier de toi.
Il est fier de toi. Polo est fier de toi. C'est quoi tu mets sur tes toasts? Du beurre de peanut. Quoi? Beurre de peanut. T'as-tu une marque préférée? Oui, les petits oursons. Les oursons, comme cet ourson très célèbre. Oui, c'est un ourson. Un ours très célèbre. T'as-tu essayé un nouveau fouetté? Ah, c'était écœurant, ça, mon gars. C'est le meilleur, man. Ah oui, on parle de bon épisode. Il est mou longtemps, puis t'en étends, là. T'en étends. Comment tu fouettes ça, du beurre de peanut? C'est pas moi qui le fouette, tu demandes ça. Ah, c'est à lui que tu demandais ça. Oui, c'est non, mais ben, écoute, je ne sais pas. Mais il est écrit fouetté dessus, puis la texture est, est différente. Ah, je te crois, Tommy, je te crois. Est différente. C'est fluffy. C'est fluffy. Est fouetté, puis ça goûte la même crise d'affaires. J'ai envie d'en acheter. Ben, écoute. J'aime ça le beurre de peanut. Attends qu'il tombe en spécial, puis check la date. Deux conseils judicieux que vous aurez appris ici ce soir. Non, quel homme, quel homme. Toi, t'es-tu un père de famille? Fuck all. Ben, un papa d'accotement. OK, ça doit aider pour faire des clips comme tu fais, juste celui qu'on a montré avant. De ne pas être papa de famille, oui, ça aide, oui. La dernière ride, ben oui. Yes. On écoutait ça juste avant le show. Yes. Parle-moi de ça, c'est quoi ça? La dernière ride, c'est mon premier court-métrage que j'ai réalisé avec une gang de joyeux lurons à l'Hôtel 54. La dernière ride, c'est l'histoire un peu, comme un préquel à mon personnage de l'hôtel qui était Théo. Ah, celui que tu dis qui a l'air d'avoir sniffé du gaz, là. C'est vrai. C'est lui. Oui, t'as l'air d'avoir sniffé du gaz. C'est pas une façon de gars qui sniffe. Imagine ça en noir et blanc. Fait comme, si t'as me regardé de même, toi. C'est pas que j'étais en noir et blanc. Moi, je suis pas noir ni blanc. Moi, j'étais pas un gars de couleur. Moi, t'es un gars de ton. Dans le sens de change de ton. Ah, non, c'est capoté, il fallait que là. C'est quoi, t'as pesé plus une cassette ou tu t'es laissé emporter? C'est pendant un cabaret Kino fantastique qui était en collaboration avec le festival Vitesse Lumière à Québec et puis Kino Montréal aussi. Kino Montréal? Je sais plus. Kino Rive-Sud, excuse-moi. Okay. Puis c'était un gros festival de 72 heures de création où ce que tout le monde se pitch dans le tas, on fait un court-métrage et on sort ça de là. Puis. Étant à l'Hôtel 54 directement, j'avais accès justement à ma gang et à moi. J'ai juste fait comme j'ai une idée de chauffer dans le taxi. Le corbillard que vous voyez dans le film était parké en avant de l'Hôtel 54. Ça, c'était une maison hantée à Saint-Jean-sur-Richelieu qui est fermée. Mais checker les affaires. Ils font des belles collaborations avec Frisson TV et tout. Allez voir ça. Fin de la parenthèse. Ceci étant dit que le corbillard ne fonctionnait pas. Mais je me suis dit, Chris, ça serait marrant de se faire une espèce de trip à la petite vie, mais... horror style, tu sais. L'idée est bonne, là, la caméra sur le hood, puis on... Ah oui, puis on shake le char, puis gars qui passe en tricycle, puis qui revole, là, ça. Écoute, si on a eu du fun à faire ça, mon gars, si on a crashé dans un parc où ce que moi puis Caprice, on fait comme « Débarque-toi, il y a une glissade! » Ben ça, écoute, c'est un parc à côté de chez nous. Fait que là, juste pour comme... oui, vas-y. Rattraper tout ça, ton chien s'appelait Polo, il est fier de toi. Oui. Et à l'Hôtel 54, qui est une place qui était autrefois une maison hantée, mais qui est fermée, mais checker ça. Oui. Vous avez eu une fin de semaine pour tourner un film. Exact. Et toi, mettons, là, t'as dit, c'était quoi le processus? C'est ça que je veux savoir. Mettons, parce que les autres sont curieux, hein, je les connais, Zofel. non, c'est pas vrai, tu peux être curieuse. Le processus, écoute, le processus, c'était fucked up, man. Je dormais pas. Mais c'est quoi l'Hôtel 54? Toi, t'étais chez vous, ça arrive sud à Saint-Jean, puis tu t'es dit, entre deux raids d'autobus... Puis une fin de semaine que j'ai pas besoin de faire mon barnac, je vais aller tourner ça là. C'est je connaissais pas ce festival-là. Je venais de commencer à travailler à l'Hôtel 54. Merci de m'emmener. Tu fais bien ça. Crime, on peut-tu l'applaudir, s'il vous plaît? Es-tu assez bon? Rien qu'un peu. Polo fait dire qu'il est fier de moi aussi. Bon, ouais, ça c'est clair. Il aurait été fier de toi. Il t'aurait liché à la joue. Pis tout. Mais on le ferait pas ici. Là. Ça arrive à chaque année. Il loue ça. Ça arrivait à chaque année. On l'a fait pendant 4 ans. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il passait la place. Dans le fond, il y avait une location, oui, comme tu dis. Puis il y a certains décors qui venaient avec ça, auxquels on avait accès, certains costumes. Il y a beaucoup d'entreprises de la place qui s'impliquaient là-dedans pour des lieux de tournage. Et puis il y avait de l'équipement de fourni des caméras puis tout. Puis malheureusement, on a perdu notre place dû à la... Comment qu'on appelle ça déjà? L'apocalypse.
sanitaire que nous vivons présentement en dictature. Dictature. La dictature. Avec un hashtag puis tout. Mais ceci étant dit, c'est un festival. Le coronavirus a acheté la place puis il a dit on met ça à terre. Exactement. Non, on est en train de changer de local en même temps, fait que ça a comme bien à donner. Mais tu vois, comme je te disais, Jordan Saint-Louis, qui était le proprio de ça, l'Hôtel 54, s'implique présentement avec Frisson TV au niveau des décors de Helena, si tu suis un peu ça, l'after show de Simon Predge, il travaille sur ces affaires-là. Il y a quelques collaborations avec des monstres de la gang une fois de temps en temps. Sinon, ben on se fait des feux de camp, puis on se raconte que la vie était des affaires belle. Épeurantes, puis ces affaires-là. Ben, même là, ça veut dire que t'as pas été le seul à faire un court-métrage. Non, vraiment pas. Non, vraiment pas. Tu t'es-tu ramassé, toi, à comme faire de l'éclairage pour un autre on the side, faire l'acteur ou... L'acteur sur des affaires. Okay, fucked up, man. Okay. Moi, j'étais le gars willing qui... moi, c'était mon premier festival. Fait, j'ai fait comme je me suis pitché all-in. Fait comme... Ouais, go! On a besoin d'un gars fucké qui s'ennuie de son chien qui est mort, esti, puis qui se met un steak dans le cou en Japon à terre à moitié à poil. Ouais! Le fromage. La base. Écoute, ben. Un truc de ouf. Hein, tu sais quoi, t'as dit? La base. Ok, c'est bon. Non, c'est le bout avant, là, mais on le réécoutera en archi. Ah, avec un steak dans le cou, puis quatre pattes en train de faire non, un chien. Non, c'est ça, ok. Ah, ça, c'est Paris-France. Ok. Ah, oui, ça, c'est. Écoute, je me suis ramassé en corset ce soir-là. Avec des fausses boules, avec des petites lumières qui allument au bout, puis tout en boxer, avec ma calvitie peignée sur le côté, tout de même, avec juste pas de barbe, puis aller danser parce que je m'ennuyais dans ce film-là de mon chien, puis je suis parti ça dérape. Puis encore le chien, c'est pas. Ouais, encore le chien, le chien! Le chien revient! On savait qu'il reviendrait. Si la table va bouger, il revient tout le temps. Il revient tout le temps. Fait que, j'ai fait des affaires fucked up. Fait que ça, c'était ta fin de semaine, ça. Ouais. Tabarnak. Ouais. 72 heures. Ah, yes. Ça a commencé un jeudi, je travaillais en même temps par-dessus. C'était hallucinant, man. Il a sorti des films de ça, mon gars. Ouais. Puis sinon, c'est quoi? Tu fais de la musique, toi? Ouais, une fois de temps en temps. Ah oui, des fois, t'as fait de la house band, là. Ça vient d'où, Ladies and Japanese? De Plume la Traverse. Ah. Je l'ai entendu dire ça à un moment donné sur un show que j'ai pogné sur YouTube, une vieille prestation live, où ce qu'il mixait, t'es un peu que je me souvienne, c'est Jonquière et le rock'n'roll du Grand Flambeau. Puis entre deux, passe c'est comme « Bon, merci à tous vous autres, amis de la Gaspésie, ladies and Japanese. » Fait que je vais comme « Oh wow, Chris, c'est bien drôle ça. » Je me suis mis à dire ça une fois de temps en temps, finalement ça m'a collé dessus, puis je cherchais un nom pour mon show. Sur le web, puis j'ai fait comme ben, bonsoir Ladies and Japanese, j'aime ça, t'sais. Même l'album est nommé. C'est-tu quelqu'un que tu look up to, Plume la Traverse? J'étais un fan fini de Plume la Traverse, mon gars. Vraiment, Plume, c'est une inspiration, c'est un artiste accompli, un poète, grand poète, musicien correct, mais qui a su s'entourer de bonnes personnes en tabarnak, qui avait des idées. Ce gars-là, c'est de mettre en image. Un pet de noun puis d'en faire quelque chose de merveilleux. Mais tu sais, ou bien il peut te partir sur une astichir, genre de faire un texte incroyable ou bien de faire un jingle qui va te rester dans la tête pendant 30 ans. C'est vrai. C'est magique. Puis sur scène. Ben oui. La fois où t'es El Niño, des fois, j'y pense encore. On va-tu l'arrêter un jour, ce gars-là? Fait on que, sait pas c'est qui, c'est de sa faute. À part la musique, t'as-tu d'autres sidelines? Est-ce que tu fais? T'es-tu comme un peintre? Fais-tu des Legos? Non, pas en tout, man. Des jeux vidéo? Jeux vidéo, un peu de rétro gaming. Un peu de... D'ailleurs, je check le jeu, c'est sorti une fois de temps Mario temps, Kart, genre, ça, j'aime ça. Je suis de l'époque de la SNES, puis de la NES. C'est bon. Je suis un petit modèle 83, au moins, fait que... Ah, boy, hein? Ouais, puis on était pauvres, chez nous. Ah! Monsieur Godette! Il fut un temps, tu demanderas à Polo, c'est vrai, on était pauvres, comme... on était pauvres, comme la gale! Hey, c'est beau, ça. J'ai jamais remarqué qu'il y avait des hot dogs sur cette nappe, c'est merveilleux, hein? Ben oui, hein, parce que toi, d'habitude, t'es pas comme au centre de l'attention comme ça. Non, si, je suis... Tu participes aussi avec deux fois les un banjo, t'es plus comme pris pour acquis en arrière. Y a-tu comme un cri du cœur qui t'habite? depuis une couple d'années, peut-être un peu plus, j'ai roulé un gros band de cover pendant genre une quinzaine d'années. Comme drummer, mais en même temps, qui chantait en même temps, on était trois bons animateurs...
qui drivait à patente, sauf qu'à un moment donné, j'ai accepté une tournée en France, fait que le band a fait comme « Bon, ben, tu décalisses, puis on n'a plus besoin de toi. » Fait que « Merci, so long. » J'avais déjà fait une joke là-dessus à Gilles Valquette, justement, là-dessus, là, j'avais un hommage aux Beatles. En tout cas, oui, Chris, oui, allez, oui, fais tes recherches! Fais vos recherches, Gilles Valquette à 70%. Mais bon, en tout cas, bref, c'est ça, mais depuis ce temps-là, je fais peut-être 10 ans que j'écris mes tunes, puis que je bisonne un peu, mais plus sérieusement, depuis 3 ans, j'ai tout le temps fait de la chansonnerie, si tu veux, tu sais, du chanter du Embarque ma belle, du ouais, vieux ouais, dans ouais. le bas des affaires de même. Mais... Tu chantes comme si t'avais l'air en Chris, mais t'es pas en Chris pour vrai. Genre. Fuck all. C'est ça. C'était fuck juste all. Un personnage. Là, ouais. Ah, il hein, y en a qui sont soulagés. Dans Chris, c'est pas de même pour vrai. Arrête de me juger, tabarnak! C'est ça, ça. Ça, c'était juste. Excuse. T'es-tu chatouilleux? Non. Non. Oh. Fuck all. Ok, c'est bon. Respect. Respect. Ben, c'est quoi qui te fait peur? Oh, si, bois. L'être humain. Là, je vais tomber deep en un instant. L'être humain, man. C'est pas si deep que ça. Là. Non, tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde fait comme bah, Chris, ben, ouais. Ouais. J'ai même une clap là. Ouais. Hey, d'ailleurs, j'ai une métaphore ici. Là. Je pense que l'homme est un cougar pour l'homme. Ça, c'est pas Polo qui t'a dit ça, certain. Là. Touche pas à table. Laisse mon chien dehors de ça. Fait que toi, t'as peur des humains, mais pas de Bruno. Regarde Bruno, il te fait-tu peur? Un peu. Un peu, hein? Un peu. J'espère. Bon, ben, tu vois, c'est ça qu'il veut. Comment je sais que les gens me respectent s'ils n'ont pas un peu peur de moi? Ouais, c'est vrai. Parce que le respect puis la peur, c'est la même affaire. C'est sûr et certain. Non, non, j'ai pas grand-chose qui me fait peur, honnêtement. À part tout le monde. À part tout le monde. OK. Je suis quelqu'un d'anxieux social, qu'on appelle, mais okay. C'est bien géré, la patente. OK, ben ouais, on te met pas trop mal à l'aise. Non, fuck veux-tu out. Que Francis se recule un petit peu? Un peu. Merci. Hey, sinon, t'es-tu un collectionneur? Il me semble que tu dois collectionner quelque chose. Attends un peu. Oh, Polo me dit... Il était pas là dans ce temps-là. Que ta collection de déceptions... Non, pas ça. Non. Lui, il va te parler d'efface. Il était tu là collectionnes dans le temps des effaces. Il était là dans le temps des effaces. C'est ça qu'il disait. Oui, c'est ça qu'il... C'est ça, oui, j'ai tout vu. T'as... Il y avait plusieurs, il y avait plus qu'une efface. Oui. Puis il quoi, était avec des formes puis des couleurs différentes. Oui, moi aussi, je le vois, là, ça channel. Ça channel, oh, channel Polo. Il y en avait qui pouvaient... Hey, Polo, viens ici, non, c'est moi qui... Oui, celle avec l'arc-en-ciel, oui! J'ai mal à la tête. Non, c'est pas... non, mais là, on va appeler chacun l'âme de Polo, voir qui aime le plus pour voir qui. Voilà. Viens ici, âme de Polo. Mais, non, t'as une collection d'effaces pour vrai? J'avais okay. Des effaces, des bébés. C'est comment que ça s'est stoppé? J'étais un petit garçon malheureux, moi, dans le temps. Moi, j'étais petit gros, puis tout, hostie, puis on me tapait dans les côtes, puis c'était pas agréable. Moi, il m'appelait Tomate. Arrête, hostie! T'es bien fin, mais non, ça... regarde, j'ai bien viré. Il y avait encore une face de sniffer du gaz. Ben, c'est parce que ça, j'ai déjà resté loin, c'est ça qui... Ben oui. Fait que c'est quoi qui est arrivé? Parle-moi de la fin de ta collection des faces. Oh, j'ai perdu ça. J'avais une vingtaine d'années, je pense. Comment qu'ils appellent ça déjà? C'est un petit terme crissé dans l'évidence. Collissé au vidange. Ouais, est-ce que tu as eu un pincement? Tu y as-tu repensé? T'as-tu checké une dernière fois avant? Un peu! Ah. Un peu, ça, les billes aussi. Tes préférés pour les essayer au moins une fois avant de les jeter? Non, ça, non, mais avec les pogs, oui, parce que j'ai eu des pogs et tout, je suis de cette époque-là. Oh, tabarnak, c'est lui, le gars qui collectionnait des pogs. C'était moins estime. Ben non, écoute, ou bien je les volais, ou bien... Ouais, j'étais quand même plus gros que tous les autres, une fois de temps en temps, ça servait, tu sais, tu coupes pieds dans les gonds. Pour tes pogs! Pour tes pogs! Je choisissais mal mes combats. Invention canadienne, hein? D'habitude, les gens s'en calissent de ça, là, mais ça vient du Canada, les pogs. C'est à nous. C'est vrai? Ouais. Ah, moi, je veux dire, c'est vrai que le monde s'en calisse. Il doit être riche à milliards, là, le gars. Hey, c'est vrai, man. Mais c'est un autre mode de cours d'école, ça, qui a toffé. Ben, il fallait que combien de temps à l'époque gros... ça a toffé, man? Je sais pas. Notre gars de nouvelles, il doit savoir moi, ça. Moi, à cet âge-là, je collectionnais du Magic déjà, buddy. Oh. 4 ans. La Magic, est-ce que tu me parles? De ce merveilleux jeu par Richard Garfield, ouais, en 93, qui a sorti ça en 93. Est-ce que tu joues à Magic? Fuck all, j'ai juste fait mes devoirs avant d'arriver. Merci! Merci! Mais un jour, c'était beau ça! fait que sinon, c'est quoi qui te déçoit dans la vie? Oh boy, qu'est-ce qui me déçoit, man? Oh, calice, man! Je pense que je la vois venir. Ah ouais? Vas-y donc. L'humain.
Non. Non, on m'appelle pas Richard Suicide, si je passe ce point-là quand même. Hey, sympathique bonhomme, by the way. Hein, t'es-tu sérieuse? Richard Suicide va revenir comme chroniqueur. Attends, attends, on annonce tout ça là, en scoop, là? C'est-tu là? C'est un scoop, ça? Quoi? C'est quoi qui se passe? Je sais pas, rien t'arrête construit par le parc. C'est mon show, c'est quoi? Tu... Je... Excuse. OK, non, j'ai rien compris. Richard Suicide, oui, il va venir comme chroniqueur. Hé! Hey, Richard Suicide comme chroniqueur! Ben oui! Oui, Tony, tu l'annonces officiellement. Ben écoute, c'est Big Shot, notre show, là. J'ai juste à faire de même, puis il y a les Richard Z. Sirois, puis les Gilles Valiquette qui... Hé, hey, ben je me reprends. Tantôt, tu me demandais qu'est-ce qui me faisait peur. Richard Suicide me fait peur. Ah ouais, hein, pour vrai, pourquoi? Bon. Il se bat, lui, il fait de la boxe, puis tout. C'est vrai. Ils m'ont incité tout le long de show à faire de la boxe. Fait que c'est encore les humains. Ah ouais, c'est vrai. Non, non. Pour répondre à ta question, ce qui me déçoit, l'hypocrisie. Ah, ben oui, l'hypocrisie, c'est bon, ça. Ouais, ça, je suis quelqu'un de vraiment straight to the point, moi. Okay. Ils ont certaines petites hypocrisies sociales, j'imagine, de part, tu sais, quand tu fais ta job ou whatever, qui sont un peu... Mais non, c'est ça, mais tu sais... Je veux dire, je fais pas des jokes de pète de noun dans l'autobus quand je conduis la semaine, tu sais, mais... T'es fait dans ta tête. Dans ma tête. C'est ça. Mais dans un podcast, je me gâte allègrement. Ah oui? Pourtant... Ah ben, non, j'en ai fait deux fois. Non, ça t'est arrivé souvent ou c'est quelque chose qui occupe beaucoup ton esprit? Non, aucunement, je sais pas. C'est Polo. OK, ouais, c'est Polo, il était bien foxé, ses nouns. Okay. Il pète de nouns. Il écoutait ça tout le temps en boucle. Il disait, fais-moi une cassette. Ben écoute, Barnac, Polo est là avec nous pour le show. Toi, t'es là avec nous. Yeah. C'est le fun parce qu'on a juste à comme te pousser dans une direction. Puis je pars tout seul. Ouais, non, c'est ça. Sérieux, man. Reviens-moi une fois de temps. Retiens-moi. Retenez-moi. Je me gêne pas, là. Hey, j'aimerais ça que tu me fasses un indicatif à ce moment-ci. OK, ben oui, parfait. Avec plaisir. Ici Barnac, ladies and Japanese, et vous écoutez présentement 70%. Ah, ah, ah! Ça me va. Main d'applaudissement, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. On va prendre une toune. Fais-la assez longue le temps qu'on fasse une photo et tout, mon cher Selim, s'il te plaît. Chanson. Ça va être long. Voilà. Ça va bien. On a yeah yeah. Eh ben on a un technicien apprenti un peu ce soir là. C'est correct. Ben oui, merci ça... beaucoup. Merci beaucoup, Selim. Selim, mesdames et messieurs. Et merci beaucoup à Giz aussi qui s'est retrouvé avec une patate un peu chaude. Écoute, Bruno, premier bloc de nouvelles de la semaine. Ah oui, c'est vrai! Ah, c'était mon call, ça! Excuse-moi, je l'avais. Bon, avant que je parte, si on pouvait m'envoyer... Je pense que j'ai un ticket, j'aimerais savoir une bière rafraîchissante, s'il vous plaît, à qui de droit. Merci. Voilà, j'en ai parlé souvent. Hein? C'est l'une de mes grandes sources de dépression, surtout depuis le début de la pandémie. Mais je repose la question. Vous souvenez-vous, au début de la pandémie, quand on s'est senti optimiste, que les gens allaient avoir plus de temps pour penser aux problèmes sociaux et environnementaux qui occupent notre monde? Vaguement. On se disait, s'il y a quelque chose de positif qui peut sortir de cette pandémie-là, ce serait cool. Fait que c'est ça, là, ça s'en vient, là. Ben, y a un mur qui s'est fait en 15-20% puis le reste, un peu. Là. Ouais. Je sais pas si c'est de ça que je veux parler. Des fois, je comprends les complotistes. J'empathise avec eux. Parce que moi aussi, je saute aux conclusions des fois. Je suis pas historien ou sociologue ou économiste, mais je regarde les comportements des gens au pouvoir, ce qu'ils disent, ce qu'ils protègent, comme... moins de droits pour les femmes, moins de mesures socio-économiques pour éliminer les inégalités, moins de mesures pour la protection de l'environnement, plus de protection pour les entreprises. Puis après ça, je les vois attiser les passions complotistes en créant de l'hésitation vaccinale, en parlant de liberté, comme si la liberté de tous ceux qui « get with the fucking program » n'était pas brimée par ceux qui « get pas with the fucking program », en essayant de renverser des élections, encore, 11 mois après l'avoir perdu. Puis je me dis que peut-être, il y a des bonnes chances. Et des fois, ça va même jusqu'à « venez pas me faire croire que la montée de la pensée complotiste n'est pas un complot ».
C'est méta, ça. J'ai regardé les nouvelles, j'ai lu quelques bouts de rapports qui semblent appuyer ce que je dis, mais je ne suis pas un expert. Ceci dit, je le crois dans mon cœur. Ton ressenti. Que la théorie du complot est au moins en partie un complot. Mise en place ou entretenue par des gens qui sont ou qui souhaitent avoir plus de pouvoir. On l'a souvent fait la comparaison, hein, mais comme une secte. Et ceci dit, je ne suis pas expert en secte. Hein? Puis vous allez peut-être rire de moi même, mais j'ai jamais été dans une secte. Ben peut-être que oui. Peut-être, exactement. En tout cas, c'est ce que le grand respectueux me dit à toutes les semaines. Non, Bruno, tu n'es pas dans une secte. Oui, oui, oui. Ah, puis lui, il s'appelle pas... Les majuscules, c'est les deuxièmes de chaque mot. Oui, voilà. Ah, OK. On se cibole. Voilà. C'est une classe à part. Écoute. Ceci dit, n'étant ni historien, ni sociologue, ni économiste, ni sectologue, j'ai fait mes recherches. Et il y a une fibre en moi qui semble immuable que la bullshit est au moins en partie un outil pour nous empêcher de parler de changement climatique, d'inégalité sociale et de la pile de stock qu'il faut régler au plus crisse si on veut pouvoir continuer à demeurer. Mais mes preuves sont dans mon cœur. Dans ton raison. Mais j'ai vraiment l'impression qu'elles vont être confirmées un jour. Mais elles sont dans mon cœur. J'empathise avec vous, théoricien du complot, mais à un moment donné, tassez-vous, hostie, la maison est en feu. C'est vrai, c'est vrai. Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Éditorial cinglant, incroyable. T'es-tu politisé un petit peu, toi, Barnac? Pas tant. Un peu, mais comme tout le monde, là, j'écoute... comme tout le monde, j'écoute les nouvelles. Oh! Oh! Ah! Les médias! Si bon, à part moi, pas là-dessus. Ouais, non, je suis un driver. Fait c'est quoi ta science préférée? Ah là là, ma science, je ne sais pas. Check bien ça, la musique même. Ah, j'aime ça, ça fait, ça passe. On est sauf même, c'est un double, ça compte comme un double. Bon, ouais, that's it, deux morceaux. Sauf au deuxième. Hey, ce qu'on va faire à cette heure, c'est que on va dire, Célim, est-ce qu'on réessaye pour... Ah ben, on dit... Ouais. Chroniqueur qui s'en vient. Ah, la voilà. Hey, c'est Marie-Pierre Simard, mesdames, messieurs. Oh yeah! Allô, excusez, j'attendais parce que d'habitude, c'est toujours premier chroniqueur. Fait que là, je voulais pas arriver dans un moment inopportun, tu comprends? C'est vrai que c'est moi qui ai mal gaulé. Tu sais, la fête, mais ça, ça faut de l'eau. Comme ça. C'est correct, c'est parfait, ça. Je m'excuse. Je m'excuse, tout le monde. Bon, ce soir, ça va bien, vous autres? Hey! Yes! Moi, ça va vraiment bien. Vraiment bien. Oh, ton bon mais je... Elle sort les adverbes. Les adverbes. Quand je sors les adverbes, là, ça va dire tout, 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 tout. Ça va bien, tabarnak. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont très mal. Très, très mal. Y a-t-il des gens par applaudissement qui vont très, très mal ce soir? OK. Et quand... Ça commence bon, hein? Et quand on se compare, on se console. Donc, par empathie, ce soir, je vais vous faire un top 3 des fois où j'ai l'air d'une grande conne. Comme ça, vous allez vous sentir mieux. OK. C'est gentil, ça, hein? C'est fin. C'est fin. Donc... Top 1 des fois où j'ai l'air d'une grosse conne. La première fois, bien, premièrement, vous savez, j'ai travaillé au Max à la Place Versailles pendant 10 ans. Hein, un choix de vie douteux. C'est vrai qu'on le sait, en plus. Moi, ouais, j'en parle à chaque jour. Ben, écoute. Je fais juste parler de ça. J'ai été marquée. Alors, la première fois, c'est quand j'ai donné un menu pour enfants à un nain. Ouais, et là, je sais qu'on dit personne de petite taille, mais la seule chose qui avait une petite taille à ce moment-là, c'était mon égo. Ouh! Ouh, je suis désolée, monsieur.
Deuxièmement, moi, j'ai étudié en théâtre. Ça aussi, vous le savez. Ça aussi, ouais, un ça, choix de vie douteux. Moi-même, je le savais. De ça aussi. Ouais, ça aussi, j'en parle souvent. C'est relié au fait que tu travailles au mic, c'est ça. On dirait que c'est tout le temps la même crise d'affaires, voilà. Finalement. Hein, je suis comme on une comédienne du chou. Ouais, c'est ça. Ouais. Mon chum, non, c'est pas vrai. Alors, c'est ça. Une fois, quand on a commencé la première journée à l'école de théâtre, il y a un prof qui nous raconte que c'est vraiment important de choisir ses rôles. Tu prends pas n'importe... Parce que mes amis étaient là, fait qu'ils peuvent me dire que c'est vrai. Ah, c'est vraiment important de choisir ses rôles et qu'il faut pas prendre n'importe quoi, surtout en publicité, tu sais. Et là, moi, à ce moment-là, je crie... Comme le gars dans la pub du podium avancé qui a chié dans le spa. Et là, le gars répond... Non. Oui, c'est moi. Oh! Wow! Ouais, ah, ouais. Mais toi, tu ne savais pas que c'était lui. Ben non, je ne savais pas que c'était lui. Tu savais juste qu'il y avait quelqu'un qui avait chié dans le spa. Ben, c'est parce que c'était connu que le gars de la pub du Bodim avancé qui avait chié dans le spa, il a comme plus jamais travaillé, tu sais. OK. Puis il est devenu prof. Puis c'était notre prof. Alors, laissez-moi vous dire, c'est j'ai magique. Eu des très bonnes notes. Ça, c'est juste la première journée. Son caca dans le spa a transcendé son look. Ouais. Tout le reste, là, il est, avant d'être le gars, il est celui qui a chié dans le spa. Il n'y a plus de nom, genre. C'est horrible. C'est sublime. Il est juste le gars qui avait la diarrhée. Vous vous en rappelez de ce petit pub-là? Ouais. Là? Oh, ouais. C'est vrai. Hey. En tout cas, je voudrais pas être ce gars-là, mais en tout cas, non. Je suis désolée, monsieur. Ben quoi que t'aurais une job de prof, là, c'est assez. Ouais, ça, ben ça a fini là, ça a duré 3 semaines, sa job, puis il n'y en a plus jamais eu, là. Ah non? Non. Ah, oh, je suis désolée, mon Dieu, c'est triste. Comparez-vous, tout le monde. On se nourrit de ça. C'est oui. Donnez-y un rôle, quelqu'un. Mais moi aussi, j'en prendrais un rôle. Oui. En tout cas. OK. C'est tellement pathétique. OK. Dernier top 3, mais non le moindre. Moi, j'ai déjà gâché la plus belle journée d'une de mes amies en m'habillant en blanc à son mariage. Oh! Est-ce que vous saviez, c'est qu'on n'avait pas le droit de faire ça? Ouais, j'en ai entendu parler. Moi, je savais pas. Moi, ma logique, c'était comme dans des funérailles, tu t'habilles en noir. Dans un mariage, tu t'habilles en blanc. Dans un baptême, tu t'habilles pas. J'étais pour dire, je suis d'accord jusqu'à la fin. Mais j'aime ta logique. Parce que la journée de la mariée, c'est vraiment important. Ça, c'est comme, c'est à ce jour-là, elle doit être la plus importante, avoir tous les privilèges, avoir toutes les solutions. J'ai même entendu dire. Comment? OK, c'est pas grave. Je pensais que tu me parlais. Cette journée-là, c'est bien important. Et j'ai même entendu dire qu'il y a des mariés qui envoient des courriels à ses invités pour leur dire, là, toi, ma tabarnak, tu vas pas te maquiller, tu vas pas te coiffer, pas de faux ongles, rien, parce que c'est moi la plus belle. Et là, eux, c'est un peu abusé, là. Si on se calme, la fille, là. Eux, ces genres de mariés-là, je les compare un peu aux policiers aux States. Ils sont prêts à tout pour garder leur white privilege. Fait que je vais juste parler. Pour en revenir à moi qui ai manqué de jugement cette journée-là, moi, j'étais pauvre un peu, là. Je venais juste de finir hors et lettre profil chômage. Et j'avais un gros budget quand même pour ma robe, c'était pas si j'avais 5$. Fait que j'étais allée dans une friperie puis je me suis acheté une robe. C'est juste que, on se cachera pas, 5$ c'était plus jaune que blanche. Là, t'sais. Et ce qui se passe, c'est qu'on était, comme toutes mes amies puis moi, on était pauvres aussi. Puis tu sais, c'est le genre de mariage vraiment gros que tu donnes un gros cadeau, genre 100$ par personne. Et nous, on a donné 20$ à 4. Oh. On n'était pas 4 filles et un jean, on était 4 pauvres et un 20. Ça allait mal. Et là, encore là, profitez-en. Là. Ce que je vais dire, là, ça fait du bien pour ceux que ça va mal. Moi, avant, j'étais une douchette. Ça, ceux qui ne savent pas, c'est quoi une douchette? C'est la femelle du douchebag. OK? Mm-hmm. Ceux qui ne savent pas, c'est quoi un douchebag? C'est un mammifère qui pense que sucer, c'est une méthode de paiement. OK? Moi, j'étais hot, là. J'avais des faux ongles, j'avais des faux cils, j'avais une fausse estime de moi. J'étais écœurante. Et j'étais surtout bronzée, couleur... Single the craft. OK. Ouais. Bien choisi. Bien choisi. Parce que dans le fond, à ce moment-là, dans ma vie, j'étais vraiment une tranche de single the craft qui fond dans des plates blanches pour donner un genre de craft dinner maison cheap. Tu sais, attendez. J'étais orange, j'étais toxique et je me faisais juste manger après une grosse brosse. Alors, j'espère tout le monde que vous allez vous servir de ça pour vous sentir mieux. Ça me fait plaisir. Ben, merci beaucoup. Belle soirée à vous autres. Marie-Pierre Simard, mesdames et messieurs. Wow. Il y avait quand même... c'est des histoires touchantes. C'est très touchant. Mais café, il y a un vin. Toi, parle-moi d'une fois que tu as eu honte. Oh, c'est bol, mon gars, plein de fois. Ben, plein, j'en plein, veux plein, juste plein, une, plein de là. Fois.
un show à un moment donné avec, dans un bar par chez nous avec le 8-3 Corben. Et j'étais pauvre, moi aussi, à ce moment-là. Fait que je mettais mon vieux linge de job, mes vieux uniformes un peu troués, Big Bill style, tu sais, uniforme de concierge. Puis, je joue toute la soirée au drum, puis on a un chum invité que lui, finalement, il va prendre la guitare. Mon guitariste embarque sur le drum, je m'en vais en avant. C'était la manifestation des Cowboys fringants que je chantais en avant dans mon 380 quelques livres à l'époque. À ce moment-là, avec un mohawk, une moustache de trucker, c'était de toute beauté en Big Bill. Je fais ma toune, je rock le shit, tout va bien, je me reviens d'abord le bras dans les airs, mais j'étais une stripe, là, mon gars, mais humide, là, qui part de la du bas du dos jusque dans le fond. J'ai le cul tout trempé. Et ça transparaît sur mes beaux Big Bill verts, bien en évidence, avec ses grosses faufounes. Et une photo fut prise. Ouais, j'ai ça dans mon album photo, c'est de toute beauté. Pour immortaliser la honte. Pour immortaliser la honte. Mais sinon, honte, pas tant. Ben, c'est pas, correct, ça a bien été, là. Ça, t'sais, ben, t'sais, c'était tu, c'était goûtant, en plus. Comme c'était goûteux, c'était ouais, goûteux, ouais, hein. Vraiment. On pouvait. Quoi? Ouais. Ben, il était sincère. Ouais, t'as, oui, ça venait de notre cœur. Lâchez-le. Hey, on va avoir besoin d'un autre chroniqueur. T'as vu comment j'ai fait? J'ai parlé ouais. à Célim, fait que toi, fais ça. J'ai ça avec Célim. Célim! Célim, mon cher ami! Allô, comment ça va? Ouais! Oh, c'est une belle chanson pour un nouveau chroniqueur, s'il vous plaît, ou chroniqueuse, ou qui que ce soit. Yeah! C'est un peu abrupt. Le volume est un peu... Salut! Allô? Comment ça va? Ça va bien, toi? Tu bois-tu de l'alcool, toi, Florence? Oui, je bois de l'alcool. Je t'en prie. Yes. Content de te voir, Florence. Hey, je suis contente d'être là. Ben oui. Ça fait longtemps que je t'ai vu, en plus, Colin. Ça fait longtemps qu'on s'est vu sur un moyen temps. Ben une pandémie, pis tout. Ah oui, l'apocalypse, pis tout. Peut-être capoté, moi aussi, je n'ai eu une pandémie. Mais voyons donc! Ça a l'air que ça n'existe pas. Bon, Florence? C'est peut-être ouais, on a eu une distribution d'apocalypse puis de pandémie. Fait que, ben écoute, moi, je reviens avec, comme mon intro a pu le faire... un peu vous spoiler un peu. Je reviens avec La Comté et Bigoudi Boucle Brune. Oh. Et les élections municipales. Je vous le dis, mes amis, c'est inadmissible. Vous devriez voir les poêlons et les chaudrons que ces personnes wok faisaient résonner toute la nuit. Et pourquoi je vous prie? Pour de meilleurs accès à de la nourriture. Quel culot ils ont, ces wok. Qu'ils prennent leurs petits bras d'humain et qu'ils aillent cuisiner leur propre utopie. Non, mais, et après, que demanderont-ils? Des pâtes à la sauce tomate pour remplacer nos bonnes vieilles pâtes au beurre? Des produits elfiques? Nains ou encore hobbits? Irk! Ne leur laissons pas le choix, tous unis contre les plats hobbits. Bigoudi arrêta net sa lecture du Mordor Times en hochant la tête. Il était rare que Bigoudi lise quelque chose d'aussi peu reluisant. En effet, un certain écrivain orc du nom de Tucker Carlson... Surtout, écrivez à qui voulait bien le lire, des obscénités sur tout et rien, prônant le retour progressif aux valeurs mises de l'avant sous le règne de Sauron. La pente était glissante. Et Bigoudi avait rarement été aussi fâché en disant cela. Ça lui avait ouvert l'esprit et l'appétit. Il regarda la tablée qu'on lui avait gracieusement fournie à l'auberge de chez Luc Lange-Cidre, le célèbre sagicien. Sans même avoir pu dire quoi que ce soit, un garçon de table lui avait apporté des parfaits petits plats. J'espère que vous êtes commandé à manger parce que ça donne faim. On lui avait apporté un plat de choux de Bruxelles à l'huile d'olive, bacon et pacane, une entrée de pain brioché dans lequel on y avait mis des crevettes nordiques de tatane, une salade de homard, un délicieux morceau de pieuvre fondant dans la bouche sur lit de riz noir aux grenades et au sel de mer, un petit casseau de frites rissolées dans du gras de canard avec une trempette aux petits fruits et au vinaigre, puis vinrent quelques plats principaux, dont une morue sur lit de légumes de saison avec un coulis à la crème fraîche, un pavé de truite arc-en-ciel, une soupe au saumon à la nette, un petit burger de saumon, des pétoncles au beurre, des escargots sur des patates grelots, quel délice, quelques petites tartinades de crabe à placer sur des petits pains du Gondor, une assiette de fromage elfe avec fruits, dont des grappes de raisin provenant des montagnes d'Erebor, une belle petite assiette de charcuterie d'escargot sur le lac, puis vers quelques menus desserts comme une tarte aux pommes et cannelle, une crème glacée à saveur naturelle. Le sucré du lait ressortait et était un délice. Un fondant au chocolat avec un coulis de bleuet et groseille, une pointe de gâteau au fromage chocolat blanc, avec coulis de fruits rouges, et pour finir le tout, une magnifique tarte au chocolat avec un coulis de caramel salé dont Bigoudi savait qu'il rêverait encore après l'avoir terminé. Bref, Bigoudi s'en donnait à cœur joie.
Grandulf rentra en trombe dans la pièce. Bigoudi, dépêchez-vous, vous devez vous inscrire sur la liste électorale. Encore, répondit Bigoudi. Oui, Bigoudi, c'est pour les élections municipales. Oh, certes, Grandulf, vous avez raison, mais. Mais quoi, Bigoudi? Mais il me semble que les votes peuvent vivre sans ma voix, si? Enfin, Bigoudi, que racontez-vous? Il se passe à la mairie de la comté quelque chose d'étrange. Vous souvenez-vous de l'homme qui disait se prénommer Mathieu Boudreau? Celui qui disait toujours ne pas être Denis Coderre? Oui, c'est lui! Eh bien, il est Denis Coderre! Quoi? Répondit Bigoudi en s'étouffant presque avec une part de tarte au chocolat. Il faut l'empêcher de saisir le pouvoir! Alors faites vite, Bigoudi, chaque vote compte! Ciel, Grandulf, vous avez raison, en route! Bigoudi mit sa cape et Grandulf et lui partirent en trombe. Ils coururent à travers le village elfique de Rosemère pour aller donner leur nom et leur quartier respectif. Ils voteraient par la poste cette année. C'est alors qu'ils entendirent un autre son tonitruant sortir d'une ruelle. « Des votes! Pour notre parti, des votes, Tadros! Tadros! » Oh! C'était Conspiragolum. Voyons, il a donc bien le don de nous trouver quand on n'est pas à des places, quand on est à des places random, lui, dit alors Bigoudi, outré. Silence, Bigoudi, cachez-vous ici, Grandulf lança une enveloppe brune plus loin. Conspiragolum s'approcha de l'enveloppe et renifla. Une enveloppe pour le maître Coderre, Tadros, Tadros! Peut-être que ce sont des bitcoins ou des textos volants, Tadros, Tadros! Grandulf balança une nouvelle enveloppe brune qui alla atterrir plus loin. « Ou des commandites, Tadros, Tadros !» dit Conspiragolum en trottinant pour aller prendre l'enveloppe. Grandulf en lança une nouvelle encore plus loin. « Ou peut-être une perte de poids, les gens aiment ça le changement. Tadros, Tadros !»« Votez Coderre, le meilleur parti pour le Mordor. Tadros, Tadros !»« Coderre a changé. Au lieu de vous dire haut et fort qu'il est corrompu, il est maintenant capable de chuchoter. Tadros, Tadros !» Il s'éloigna, cherchant plus d'enveloppes brunes. « Mais il est terrible, Grandulf !» Oui, je sais, mon cher Bigoudi. Mais il est vraiment partout, on le veut pas, lui. Je sais, Bigoudi, c'est comme s'il était une analogie pour toutes les croyances étranges et aberrantes de ce monde. Grandulf fit une pause. Venez, Bigoudi. On doit vous inscrire sur la liste électorale, c'est important. Oui, avec ce qui vient de se produire, j'ose l'imaginer. Empreint d'un sentiment d'optimisme, comme quoi Bigoudi pouvait faire changer les choses, ils allèrent d'un pas sûr vers un avenir encore incertain. Mais chose certaine, cependant, ils demeureraient amis pour encore longtemps. Bigoudi avait hâte à leurs prochaines aventures. Fin du chapitre. Yes. Merci beaucoup, Florence. Ça fait plaisir. Je comprends pas pourquoi il faut que le pied de micro reste comme ça. Ça en fait deux. En tout cas, toi, c'est quoi ton instrument de musique préféré? Oh, l'harmonica, j'aime vraiment ça. Non. Ouais, monsieur. Ah, ouais. Ouais, l'harmonica, j'aime vraiment ça. Ben, voyons donc! J'ai prévu au cas où. Ah! Ben, that's it! Écoute, je pense qu'on va aller tout de suite au prochain chroniqueur. Ouais. Célim est chargé pour. Célim, nous ferais-tu un petit reel d'harmonica pour le prochain chroniqueur, s'il vous plaît? De façon magique avec un délégué. Non. À cause d'un coup sur la tête, Martin a tout oublié. Grâce à un régime de vitamines, il a tout retrouvé. Malheureusement, pour une raison inconnue, tout s'est effacé de nouveau de sa mémoire. Voici donc en primeur ce dont personne ne devait jamais se rappeler. Voici Marc. Marc est le colocataire de Martin. C'est un gars sportif. Un individu coloré. Un être serviable aussi. Toujours prête à aider pour les tâches ménagères. Tiens, tiens, notre amnésique a un petit creux. Une petite tranche de vie avec ça? Attention aux miettes! Yeah.
Enfin, c'est propre. Allez hop, à table. On dirait que tout ce ménage, ça coupe l'appétit. D'un oubli à l'autre, pour tout oublier, je deviendrai l'apôtre d'un avenir oublié. Oui, mais moi je ne sais plus où on est rendu. Ça tombe bien, mon copain, on est rendu au refrain. Tant de choses, des noms, des choses qui ont des noms. Tous ces gens qui ont des noms, de choses qui ont des noms. Je peux m'asseoir. C'est une chaise. Je peux rentrer dedans. Un lit. J'oublie tout le temps. Les choses. J'oublie toutes les choses. Tout le temps. Tant de choses qui ont des noms, de choses qui ont des noms. Toutes ces choses qui ont des noms, de choses qui ont des noms. Tant de choses qui ont des noms, de choses qui ont des noms. Tous ces gens qui ont des noms, de choses qui ont des noms. Tous ces gens qui ont des noms, de choses qui ont des noms. Qui suis-je? Souffle pétille, mesdames, messieurs. Un lancement de leur nouvelle carrière internationale, mercredi dernier, je pense. Oh. Au Quai des Brumes. On m'a dit que Michel Girouard y est allé avec son nouveau choupi. Là, ça... Ah oui, il y en a un nouveau. Et c'est quoi l'autre? C'était pas la partie intéressante, par contre. Excuse. Ouais, on lui souhaite le mieux possible, la souffle pétille. Toi, c'est quoi tes projets qui s'en viennent, Barnac? Moi, mes projets, écoute, là, je rentre en studio dans pas ben long avec justement deux folies et un banjo. Je m'en vais jouer. Hey, dude, faut que je vous dise ça. On écoute. Je m'en vais jouer avec Maddie Bucking à la Place des Arts le 19 novembre prochain. À la salle Claude Léveillé, tabarnouche. Ah boy, hein? Ben oui, même pas le droit de clap là-dessus. Merci! Ben oui, Barnac à la Place des Arts. Wow. Non, ben comme musicien invité. Ben oui, comme musicien invité. Ben oui. Mais ouais, ça va être le fun. Sinon, ben pour Barnac, écoute, je continue les Barnac de live. Là, je me disais une fois par mois, mais là, je retombe aux deux semaines là, à partir de la semaine prochaine. Un petit deux semaines, Barnac de live sur Facebook. Et puis, peut-être migrer vers Twitch éventuellement. Oh ouais, Ouais, ça me dit Twitch, ouais. C'est mettons, pas le moment, là, ça va bien. Twitch, c'est assis, le monde aime ça. Là. C'est ça. Allô? Tant que tu montes pas de mamelons, par contre, ça, c'est non mamelons. Ça, c'est vraiment la pire affaire au monde. Parle-moi d'une fois que tu as vu un mamelon de femme puis comment que ça t'a fait réagir de manière dégoûtante. Oh boy! Hey, il là là. Ouais, je comprends, c'est difficile. C'est difficile d'en choisir un, c'est toutes les fois que j'ai vu un mamelon. Moi, ouais, c'est ça. C'est pas un grudge envers Twitch que j'ai pas en tout. C'est super logique. Moi, je mets ma chaîne 18 ans et plus. Ouais. Pour rien, là, dans le fond. Mais en tout cas, pour, ouais, c'est un peu c'est décevant, ouais. C'est un astuce. Ben, écoute. Mais non, mais j'aimerais. Non, mais tant que les mamelons d'hommes sont eux autres disponibles. Ça, c'est correct. Ça c'est correct, vraiment ça. Pas dégueulasse. Oh. C'est le contraire de dégueulasse. Les mamelons. Bon, non. Les mamelons mâles sont aussi interdits sur Twitch lorsqu'ils sont hors contexte. Oh. Voilà. Donc, il faut que ça se passe. Il faut pas que ce soit sexualisé. Oh, ben non, c'est ça. Pas, ouais. Nous autres, avant, on mettait des films mettons de David Dacoto. Mettons que le contexte, Dacoto, c'est moi, j'aime ça à jouer à des jeux vidéo en BDN. Là, c'est correct. C'est en contexte. Non. C'est ouais, quand que des mamelons sont pas dans leur contexte. Ils gardent le droit de te flaguer quand ça lui tente si tu montes des mamelons de okay. C'est un peu ça. Je trouve que c'est très arbitraire, par exemple. Tu sais, mettons, un mamelon entouré d'un pec, c'est-tu un mamelon en contexte ou... Non, ça, c'est beau. Ça suit la norme. Tout ce qui est hors norme, ça, par exemple. Ben, il faudrait qu'on te mette en discussion avec un gars de Twitch. Ah oui, non, mais oui, effectivement. Là, assez haute, ça n'existe pas vraiment. Ça, pour répondre à ta question, Police Academy 1, j'avais 5 ou 6 ans. Ouais. La première fois, j'ai vu un mamelon féminin live on the spot. Ouais. Je l'ai réécouté peut-être... Ah ouais, man, Police Academy. On se résiste de te
fait dernièrement. Quand il crie après Mahoney, on riait, là, on avait du plaisir. Ouais. Mahoney! C'est tout le temps Mahoney qui était tout le temps en train d'être pas fin. Hey, on va avoir un autre chroniqueur, je pense. Es-tu prêt? Ben oui, je suis prêt à en check ça avec Célim. Voir. Célim, un autre chroniqueur, s'il vous plaît. Mahoney! Alors, Mahoney! Je vais faire une chanson pour Guise. Parce qu'il est gentil et il s'occupe de la console. Oh. Ah ouais. Hey, je me sens à la messe de 11h à Sainte-Hélène de Bricqueville. J'ai vraiment belle, mesdames, messieurs. J'ai vraiment l'impression que la chorale va starter avec leur petit problème de soprane chevrotante. J'ai pas les moyens. Par contre, on avait deux hosties de ténors. Ça sauve tout. Bon, hey, bravo hein, pour souffle les petits, la belle petite expression corporelle là, en vrai, musique. Hein? Ouais, bonne chance, vrai. Les gars, puis c'est déjà pas spectacle, ça va y aller. Ah, c'est dit. Bon, on m'a redressé le micro depuis tantôt que je suis comme donnez-y du Cialis, quelqu'un. Pied de micro, à quoi? Voyons donc. C'est l'automne, Tommy? Et moi, j'aime ça, l'automne. C'est ma première chronique d'automne, alors je peux enfin en parler. Sais-tu pourquoi l'automne, c'est ma saison préférée, Tommy? Ça a-tu rapport avec les couleurs? Non, c'est à cause que j'aime beaucoup ça, manger des légumes. Et puis, c'est le seul moment de l'année où tu peux acheter un chou-fleur sans prendre une deuxième hypothèque sur ton condo. Merci pour l'automne. Alors, à l'automne, il y a l'action de grâce, hein, Tommy? Mm-hmm. Tu sais, que tu sais, je suis ethnologue. Moi, les fêtes populaires, ça me fait capoter. Ben, c'est pas que ça me fait capoter, mais tu sais, j'ai dépensé 40 000 $ pour une maîtrise d'un sujet. J'aime ça m'en servir. Ouais, fait que. Mais là, j'ai voulu faire t'sais, une chronique sur l'action de grâce dans le Canada. Pis sais-tu, c'est plate en Christ, si tu demandes. En même temps, c'est intéressant parce que. Oh. Ben, je veux dire, c'est une journée de congé, rien d'autre. Oui, oui, c'est une belle journée pour faire du ménage. C'est là, genre. Non, ça, c'est une journée de ménage, l'action de grâce, Tommy. On va se le dire, là, mon chum, tous ces lundis-là, il appelle ça tous des lundis de Pâques. Fait que le lundi de Pâques, aujourd'hui, j'ai voulu faire du ménage. Mais là, j'ai écouté, tu sais, la nouvelle émission sur Netflix là, de Marie Kondo. Elle commence par faire une prière pour les cochonneries. Après ça, elle les trie en ordre alphabétique. Ouais, moi, même si je fais le ménage chez nous, ça n'a pas l'air de tout ça. Ça a l'air d'un épisode de désordre extrême. Fait que j'ai décidé de laisser faire et de faire quand même une chronique sur l'action de grâce plate. Non, mais tu sais, je me suis dit, tu sais, moi, je connais Thanksgiving, tu sais, surtout à cause que, tu sais, il y a des gros spéciaux quand tu magasines en ligne. Mais. Je connaissais pas l'action de grâce canadienne. Moi, je pensais que c'était une fête religieuse. Même pas. C'est super plate. M'attendais, là, tu sais, comme pour les États-Unis, avoir une espèce d'histoire funnée avec des dindes. Des Amérindiens. Tu sais, une histoire nous faire croire que le colonialisme, ça a été bon pour eux autres, là. C'est la fois qu'on est devenus leurs amis, pour toujours! Ouais, c'est ça, c'est la fois qu'il y a des colons, des pèlerins qui voulaient aller les évangéliser, mais vu qu'ils crevaient de faim, ils ont dit « bon, on va les aider », ils ont donné des dindes, des blé dindes, puis après ça, les autres, ils ont donné des couvertes pleines de variole. Ouais, voilà. C'est assez drôle, ce sketch-là! Non, mais tu sais, puis là, après ça, on fait ça, nous autres, comme des caves. Mais aux États-Unis, même, tu sais, il y a le président des États-Unis hein, qui pardonne une dinde à chaque année. Gros rituel, ça, sur la TV, partout. Moi, je sais pas pourquoi pardonner une dinde, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils sont tous condamnés à mort à naissance, c'est ça l'affaire. Ouais, mais là, tu sais, il y a la grosse dinde noire à Gatineau, peut-être. Elle a des choses à se reprocher. Il me semble que les autres dindes, ça va, là. En tout cas, il le pardonne. Puis là, après ça, je demandais à mon chat, mais Chris, c'est qu'ils font avec la dinde après? Il y a toujours ben pas une résidence soleil pour les dindes pardonnées ou un CHSLD de dindes. Ben, en tout cas, non, finalement, ils les envoient à Disney World, Tommy. Bon, vrai, fait que là, tu sais, toute l'année, ils sont juste nourris, logique. Puis au Thanksgiving, ils font une grosse parade de dindes pardonnées. Ouais. Est-ce que tu peux. Ben, vas-y, c'était plate.
Une parade de dingue pardonnée pour vrai? Ouais, ils mettent dans un char allégorique avec Mickey Mouse. Okay. Ça a un super rapport. Une souris, une dingue, ça marche ensemble. Parce que quand t'es pardonné, mettons, là, ils s'occupent de toi toute ta vie. Puis après ça, il y a des affaires trop genrées, là, genre la princesse de Frozen. Ouais. Là, le monde capote. Est-ce que je veux vraiment le dire avant qu'on continue, mais un CHSL dingue. Ah! Tu connais mon amour, ouais. Ça m'a fait du bien, merci. Bien joué. Parce que Tommy, c'est un petit clin d'œil à mon amour légendaire pour les jeux de mots. Oui, oui. C'est ça. Non, mais finalement, si on lâche les States, tu sais que la première action de grâce a eu lieu en 1606 ici au Canada. Ouais, ouais. C'est Champlain qui a fait ça. Puis sa manière de fêter ça, c'est de faire un gros souper et des prières pour éloigner le scorbut. Ça, Champlain, c'était un gars de party en sacrament. Tu sais, moi, j'aurais ajouté quelque chose à ça, là, je le sais pas. Moi, aussitôt qu'il y en a un qui saigne des gencives, tu fais un shooter. All right! C'est nice, papa. Si tu perds un bout, tu payes un shot à l'autre. Ça, c'est magique. Ouais. Non, ça, c'est la lèpre. Hein, ça, c'était. Ben, je dirais que c'est un petit peu moins Nouvelle-France. Mais c'est correct que je te pardonne tes référents. L'école de la vie, ça que ça fait, barnac. M'excuse à ton chien, je voudrais pas qu'il vienne me mordre dans mon sommeil. Mordre mon âme. Fait que c'est ça. Toujours est-il qu'ils ont beaucoup prié pour le scorbut, ça a marché, hein? Il est parti, le scorbut. C'est pas à cause des prières, c'est parce que il y avait des canneberges apportées par les Micmacs. Alors, c'est des, faut le dire, c'est des canneberges non cédées. Excusez, ça, c'est ma joke woke. Je suis fatiguante, j'en fais tout le temps une. Non, je gosse avec ça, je gosse. Mais tu sais, Tommy, que les canneberges, c'est plein de vitamine C. Donc, ça guérit le scorbut. Mais eux autres, ils ne le savaient pas. Fait que là, ils ont continué à croire en Dieu pendant un bout. Hein? On le sait, ça. moi, je pensais que le jus de canneberge était juste bon pour mon infection urinaire. Ben non! Donc, si jamais il y a quelqu'un chez vous qui a une maladie du 15e siècle, les canneberges, c'est bon. Je pense que c'est le 16e siècle, hein, chérie? C'est pas le 15e. Hein, il est historien, mon chum. 1606, c'est au 17e. C'est 16 encore. Ta femme tue ta gueule! Si je l'aime assez. Et moi, il y a le micro. Bon. OK, ben finalement, tu sais, l'action de grâce, ce qu'il faut retenir, c'est d'abord un gros crisse de souper. Moi, c'est ça, j'ai fait ça souvent, des soupers d'action de grâce. Là, ça ne me tente plus de faire à manger. Fait que c'est Uber Eats ou la pizza douteuse ici. Mais ouais, on peut applaudir la pizza. Non, mais c'est parce que je me souviens que j'ai longtemps fait, moi, le rôti de dinde de Ricardo. Tu sais, Ricardo, il avait fait un rôti de dinde où il mettait tout un ananas au complet dans le cul de la dinde avec une farce dans le cul de l'ananas. C'est de l'inception de farce, là. Là, cette fois-là, je pense que Ricardo, il l'avait échappé. Il l'a échappé, il là. Il est allé trop loin. C'est, voyons, toi, les ananas en Nouvelle-France. Tu sais, c'est... Mais ça c'est le fun, parce que vous allez vous en rappeler, parce qu'il y a encore des gens qui mélangent Ricardo puis Jean Iroldi, hein? Deux frisés qui nous disent quoi faire avec nos vies. Non, ça c'est facile. Quand Ricardo l'échappe, il fait des rôtis de dinde avec un ananas dans le cul. Puis quand Jean Iroldi l'échappe, il se présente aux élections municipales. Par contre, quand même, il y a un lien avec l'alimentation, puis Jean Iroldi, hein, parce que lui, il aime bien ça, classer les femmes avec des fruits, silhouette pomme, poire, céleri. Ouais, le céleri, c'est pas un fruit, je le sais. Mais... Il aime ça, là, les mettre dans une boîte en verre aussi pour garder la fraîcheur. Ouais, c'est ça, tu sais, en place versa, dans une cabane de vitre. Mais moi, je vais te dire que moi, ma silhouette de femme pomme va s'en rappeler quand ça va être le temps de voter, Jean. <C'est>... Merci tout le monde, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, belle plaisir, mesdames, messieurs. Elle est incroyable. Oh, du qu'elle est bonne. Ben oui. As-tu déjà joué à Donjons et Dragons? Non, je suis allé assister à une game une fois, des chums qui commençaient, puis... C'est fou comment, d'habitude, au secondaire, il y a un choix là, qui s'offre, qui s'impose. Et c'est soit, mettons, tu vas jouer de la musique, puis voir des mamelons de femmes avant 18 ans, ou soit tu vas jouer à des jeux de rôle, puis il va falloir t'attendre à 19 ans. On sait tous quel chemin j'ai pris, Tommy. Oui.
On sait tous quel mot j'ai pris. Ouais. Hey, ben écoute, on arrive tranquillement pas vite à la fin. Il va y avoir Mathieu Boudreau qui va venir, mais là, c'est le temps de... Mettons, je veux me tenir, j'écoute, au courant. Yep. Barnac sur Facebook. Oui, sur facebook.com, /Barnac101. Barnac avec un K. Parce que c'est... K. K. 101, parce que c'est ça. Barnac tout court, c'était pris. C'est qui fait tes dessins? Crime, il y a eu Carole Fournier qui a fait un tabarnouche de bon job pour mon logo puis qui avait travaillé avec toi et tout. T'avais fait un dessin vraiment ça coche. En fait, c'est de par ton post que j'ai contacté Carole pour faire le dessin de Barnac, de reprendre Théo finalement. Ben il m'a dit, il m'a t'en faire un gratos, t'es rendu avec du following, ça va m'en vendre. Fait la preuve, c'est incroyable. Puis ben voilà, sinon à part Facebook. Si vous voulez m'encourager, honnêtement, la meilleure façon de le faire, oui, il y a un Spotify avec Barnac, le premier album faut est dessus. Sur Bandcamp, c'est Bandcamp. Mais c'est sur Bandcamp que je suis. Barnac.bandcamp.com, ma discographie complète est là. Puis il va y avoir un single qui va sortir. Je travaille sur un single. On va essayer de pousser ça pour la radio. Ben, on bonne va voir. Chance, Barnac. Merci, t'es bien fait. On va te revoir comme House Band dans le futur, c'est sûr. Yeah, man. Ben, j'espère bien. Merci à vous autres. Ben, merci à toi. Merci, ben, merci, la gang. Merci, Barnac. Sinon, ben, summone un chroniqueur encore. Qu'on summone un chroniqueur! S'il vous plaît. Oh yeah! 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 Boudreau. Boudreau. La Goudreau. L'Angoudreau. Boudreau. Masqué, Boudreau. Sensuel, Boudreau. Move, Boudreau. Magie, Boudreau. Ah! Ça se fait tout le temps. Ben oui. Il y a des affaires, tu réussis. Hey, tout le show, ça se préparait pour faire ce moment-là. Ce bout-là. C'est pour ça que je suis venu ici, moi, aujourd'hui. Wow. C'est pour ça. Écoute, ma semaine a été courte aussi, les gars. Bien. C'était ordinaire, moi, ici. Attends une minute. Ah, voilà. Tu seras plus obligé d'avaler ta bave. Ouais, ça, c'est quelque chose qui est très difficile à supporter. Hein. Ah. On vit en dictature, Tommy. La dictature. Je vais prendre un extra bacon, s'il vous plaît. Oui. Deux. Mm-hmm. Ouais, donnez-moi une liqueur avec ça. La dictature! Fait que je me cherche une job. Enfin, je sais, c'est plate. Encore. Pensais que ça arriverait plus, ça. J'étais bien. Mais bon, faut dire, là, j'ai perdu ce job-là à cause du COVID, là, un peu comme tout le monde. Mais aussi, parce que le resto-bar, salle de spectacle où je travaillais, venait d'investir autour de 40 000 piastres dans la rénovation. Et le devant du commerce étant sur la rue Saint-Hubert, la rue est en réfection. Majeur depuis un an. Puis là, je dis majeur dans le sens où, tu sais, il n'y avait plus de rue. Ouais. C'est, non, mais on pense pas à ça souvent, mais une rue, c'est comme acquis, tu sais. Ça fait une grosse différence quand il n'y a pas de rue en avant de ton commerce. Anyway, ajoute à ça un virus qui s'échapperait d'un laboratoire. J'ai écouté Découverte. C'est ça. Et un virus qui a réussi l'impensable, hein, non pas de tuer les plus vulnérables, là, comme mon ancienne job, mais de faire ralentir l'économie. Oh! Hein? À croire qu'il n'y a qu'un ninja qui peut tuer un autre ninja. Bon, j'y pensais de même, là. Il n'y a pas de lien. C'est ça, là, c'est pas un talent, c'est plus de la pratique. Bref. J'ai pas perdu ma job par incompétence, mais bien par défaut. C'est ça que je voulais dire. Étrangement, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Non, mais je vous mets en garde, là. J'ai travaillé dans un club vidéo, ça a fermé. J'ai travaillé dans un magasin de musique, ça a fermé. Deux dépanneurs, ils ont fermé. Un centre communautaire de loisirs, il a fermé.
Là, c'est un bar. Je veux pas vous faire peur, mais si votre business va tranquille, restez loin de mon CV. C'est pas mal le meilleur conseil de la soirée, là. Tranquillement. Non, non, non. Je suis un employé honnête, fiable, axé sur l'expérience client. L'expérience client! Il y en a qui ont pas de l'air d'accord. Ouais. La face qu'on fait! Écoute, ça va me faire plaisir d'être là à l'heure pour t'aider à faire des boîtes avec les invendus. Je l'ai déjà fait. Tu sais, il y a comme un sentiment d'appartenance là, quand tu travailles à une place que tu apprécies. D'ailleurs, hein, s'il y a une chose qui peut facilement devenir un conseil, là, travaillez à un endroit que vous appréciez. Whatever. Bref, j'ai une énergie débordante, mais je suis surtout redevenu un agent libre sur le marché du travail. Et comme j'ai l'intention d'avoir un emploi, hein, je tiens à m'excuser à tous les Canadiens et Canadiennes d'avoir eu recours à la PCU, puis ensuite à la PCRE, et qui sait, j'attends des nouvelles du chômage. Mais je suis sincèrement désolé d'avoir utilisé notre argent public, hein, honnêtement gagné par moi-même dans le passé, mais aussi par 60,9% des Canadiens qui travaillent en ce moment, vraiment, au nom du 7% environ de chômeurs restant au pays de l'érable et du Tim Hortons, je suis à l'image de Justin, désolé. Non, mais c'est la ressource commune, là. J'ai pris quelque chose à quelqu'un, hein? Ouais. OK. En fait... Excuse à la reine. Sincèrement, j'ai pris l'argent des gens. Ouais. Je suis pas certain de ça. Pas certain que j'ai payé des impôts toute ma vie pour pouvoir en recevoir quand j'en ai besoin. Pas certain de ça. Non, c'est une blague. Hein? Je suis plutôt heureux d'avoir eu la chance inestimable, mais établie à 2 000 $ par mois, que le Canada utilise les ressources fournies par ses citoyens pour empêcher que des millions de gens se retrouvent sans le sou durant une pandémie mondiale. C'est quand même wise de se servir de l'argent pour ce qu'elle est supposée de se servir de. C'est vrai. Genre. Sinon, je comprends rien à ça, donner la moitié de mon salaire au gouvernement. Whatever! Parlant de job, mon fils, c'est une job. Mon fils semble s'être trouvé une passion d'humoriste. Eh ouais, comme ça. Et là, l'autre jour, il m'arrive en courant, puis il me regarde comme ça. Comme un enfant qui veut te dire de quoi, tu sais. Puis qui sait qui peut pas te parler parce que t'écoutes la TV? Non, je l'ai très mal élevé, mais je l'ai bien dressé. Voilà. Pense à ça. C'est raide. Non, mais j'étais un très mauvais père. Moi, j'ai pas encore pété mon système de son, mais c'est parce qu'il y avait un livre d'instruction avec. Là, il n'y a pas de livre d'instruction, ça se peut que je le pète, le kid. Je sais pas. J'essaye des affaires, fait que je suis comme... Je vois bien là qu'il se passe de quoi, il est là. Fait que je suis comme... Oui? Non, mais tu sais, c'est parce que je suis assis, moi, en avant de la TV, puis il y a des annonces, fait que... Oui, il me fait perdre des offres publicitaires avantageuses et concurrentielles, mais vas-y, exprime-toi. T'es un enfant. Il me dit, papa, t'imagines, il y a un monstre. Puis là, il est dans ton salon. Puis là, toi, tu rentres chez vous. Puis là, ben, tu te rends compte qu'il est en train de manger tes divans. Puis là, le monstre, il te regarde, puis il fait « ronf, 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 ronf ». La soirée réussie. Vos canapés sont excellents. Oui, je l'ai envoyé dans sa chambre. Pour qu'il aille en écrire d'autres. Ah,
Bye bye. Quel homme, ça, Mathieu Boudreau. Là. Quel homme. Oh là 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 là. Ben écoutez. Ah non, c'est vrai, il nous reste un deuxième bloc de nouvelles. Écoute, des nouvelles, tu dis? Hey, cette fois-là. Tu veux que j'ai pas mis de veston cette semaine? Ah, ah oui, c'est vrai. Prenez-moi pas au sérieux. Ben écoute, on va se taper quand même un petit peu de Célim avant. Hein? Ben j'espère. Hey, Célim, est-ce qu'on pourrait avoir un peu de Célim dans le Célimateur, s'il vous plaît? C'est limite possible. C'est limite! Oh! Bruno Corbin, c'est des nouvelles de Bruno Corbin. Oh! Tabarnouche, hein? Un super héros. Sans couture. La maison est en feu, Tommy. Ben, t'as fini avec ça tantôt, puis... On en a parlé souvent, je l'ai dit aussi, il faut régler le problème du climat, hein, sinon c'est le climat qui va régler le problème de l'humain. Là, la grosse technologie qui est poussée hein, par Bill Gates puis sa gang de milliardaires qui financent les technologies écologiques, c'est les attrapes carbone. Hein. Pourquoi c'est cette technologie-là qui est avancée? Ben, parce que c'est dans ça qu'ils investissent. Bien joué. Voilà. Et pourquoi c'est dans ça qu'ils investissent? Parce que ça nous permet de ne pas changer nos infrastructures pour encore quelques centaines d'années, hein, pour s'assurer que ce soit nos héritiers qui doivent régler le problème de pénurie d'énergie fossile dans le futur. Mais en attendant, il en reste en tabarnak du charbon, Tommy. C'est vrai, c'est vrai. Fait que faire des chars au charbon, là, allons-y. Hein. Tu sais, si on peut... Non, mais... Peu importe comment qu'on se rend à carbone zéro, s'il y a des machines qui sont même capables de nous faire diminuer la quantité de carbone qu'il y a dans l'atmosphère, go, go, go. Mais j'ai peur. Parce que ça peut pas juste être ça, la solution. Faut qu'on en fasse plus. Je pense qu'en tant qu'espèce, et là, je parle surtout des Blancs ici, je pense qu'on ne mérite pas de ne pas souffrir des conséquences de nos actions ou de nos inactions. Hein. L'espèce survit au changement climatique. Faut que ça vienne avec une leçon pour les générations futures. Une espèce de leçon faite plus quelque chose de niaiseux de même. Ça se défend. Puis j'ai pas envie que la leçon ce soit « Voyez-vous, le capitalisme sauvage et non réglementé, ça fonctionne. » Ça me surprendrait que ce soit ça au final. Puis en même temps, je me dis, si le but, c'est juste de faire cesser les changements climatiques pour protéger en protégeant le système économique, ben j'ai une idée pour Bill Gates, puis Jeff Bezos, puis Elon Musk. Là. Vous avez assez d'argent pour régler le problème là. Genre là. Puis il va vous en rester après, promis. Puis en plus, vous avez investi dans les énergies renouvelables anyway. Fait que faites des gros lobbies sales chez les démocrates pour avoir des exemptions de taxes pour les technologies écologiques. Puis on va le régler, le problème. Puis non, vos amis de Exxon puis de Shell, ils vous inviteront plus à leur fête. Hein? Mais vous allez vous en faire d'autres, des amis. Hein? Puis bien, moi je vais être votre ami, si vous voulez. Ben oui. Puis là, ben, je chiale depuis tantôt, mais tu sais, qu'est-ce que tu fais, Bruno, toi, pour régler le problème? Ouais, si tu fais, Bruno, voilà. Toi, pour régler le problème. Donc, pour ma part, je me lance en politique provinciale. Je me suis dit que si je voulais aider les changements climatiques, il fallait que je m'y mette pour vrai. Donc, j'annonce que je me présente comme candidat indépendant en Beauce. Hein? Voilà. Donc, cher Beauceron, je me présente Bruno Corbin. Et si je suis élu, je promets de transformer la Beauce en un panneau géant solaire hein, qui va approvisionner la ville de Lévis hein, en électricité du 1er avril au 1er décembre, du lever au coucher du soleil. Je pense que le choix est facile à faire. Ah, ben oui, voilà. Ben oui. Hey, merci Bruno Corbin, mesdames et messieurs. Wow! Hey, aujourd'hui, on va dire un gros merci spécial à William Faucon qui est à la porte de cela, technicien bénévole extraordinaire. Yeah! Il apprend tranquillement, donc merci beaucoup.
Et merci aussi tout particulier à Guise de Bessemier ce soir. Yeah! Qui a magnifiquement gaulé. Voilà, vous pouvez suivre Barnac sur Facebook, hein, comme on a mentionné tantôt. On va voir bientôt l'œuvre que Pacou a fait, M Mystery, sur Instagram. Sinon, ben merci à toute l'équipe technique. Merci à tout le monde. Merci, Bruno, d'être passé. Yeah. Merci, les chroniqueurs. Voilà, c'est la fin de 70%. Yeah. Chanson Célim. Merci. Captain Barnac, tu veux venir chanter? Ah, il est capoté. Ah, ben ouais, non, vas-y, pas là. Non, pas là. Ah, je par là, excuse-moi. C'est, ah, ok. C'est l'accent, je m'excuse. Non, c'est à moi d'apprendre ça. Depuis le temps. I see bad moon rising. I see trouble on the way. I hear hurricanes blowing. I hear bad times today. Oh, don't go around tonight, but it's bound to take your life. There's a bad moon on the rise. Woo-hoo! Merci beaucoup tout le monde. Merci ladies and Japanese. Merci à Célim encore qui fait un job extraordinaire. Merci à la gang du douteur. Venez me faire un petit coucou sur les internets. Gentlemen, c'est le temps de l'enquête. Vous encore en forme? C'est-tu incroyable, hein, l'époque dans laquelle on vit? Non, mais c'est fou, parce que nous autres, on achète du stock à des prix complètement ridicules. On ramasse ça, on vous vend ça à l'enquête. Vous autres, vous achetez ça à des prix complètement ridicules. Et vous venez souvent nous le reporter après. On appelle ça une économie circulaire. Bon. C'est des lots comme ça. C'est des lots qui ont été vivants pour la plupart. Hein. Et cette semaine, j'ai une TV. T'as-tu besoin d'une TV chez vous? Elle est fonctionnelle. On m'a dit que les couleurs sont un peu sombres, mais qu'elle était comme ça à l'achat. Hein. Mon œil tabarnak. Mais bon, elle est pratiquement gratuite, cette télé. Et cette télé contient quoi? Elle contient du plastique, du plasma. Écoute, ça contient plein d'affaires. Je suis certain que ça a déjà été vivant quelque part, cette créature. Donc, probablement que c'est... Écoute, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de prix. La résolution, j'arrête de fumer. C'est une très bonne blague. Oui, monsieur, elle vient avec le sac. Puis tu vois, gars, c'est juste assez pour te faire chier. Là, comment est-ce qu'il n'y a pas de place pour la traîner? Mais écoute, gars, à bout de bras comme ça, là, je peux la traîner 2-3 secondes. Fait que ça a l'air agréable à traîner. C'est une 720 qu'on crie, d'après Nathan. Écoute, Il y a tout là pour... Il y a même la manette de la TV. C'est-tu incroyable, hein? Wow! Bon, je sais pas, là, Laurent, là, on se calme. Fait que je vais la partir à un prix symbolique de 1$. OK, un peu à l'image au terrain que tu vas vendre à ta belle-sœur. Donc, c'est 1$ une TV. Qui m'offre 1$ pour cette TV? Le sacrement. La personne ici dans le fond m'offre 1$ pour cette télé fonctionnelle. Pense-y, là. 1$ pour une TV. 1$. 2$. Voilà, 2$. La même personne, il a doublé le prix de la TV. En une seconde, comme ça. 2$. Une TV encore, là. 3$. T'as-tu dit 3$? 3$ à Élise, dans le fond, 3$, c'est une TV toujours fonctionnelle. 5$! Oh! Une personne qui a réellement besoin d'un instrument de télévision. Je vais la mettre ici parce que c'est vraiment gossant à traîner. 5$ une fois.
Mettons quelqu'un serait inspiré par 10 piastres, là. 5 $ deux fois! 6 à 6 $ ici. C'est un combat incroyable. On a juste des bons souvenirs. 10 $ 10 $ une personne qui a compris la valeur de l'audiovisuel. 10 $ une fois! 'Vous êtes intéressé, c'est incroyable. Calmez-vous, 10 $ deux fois. Oh! Oh, 11 $ ici. 11 $ d'une personne. Je ne sais pas si vous le savez, mais ça a l'air que les couleurs sont plus... 11 $ deux fois. 12! 12 $ à la personne avec le chandail blanc. Dans le fond, ici, avec une moustache, je ne peux pas voir, je n'ai pas d'yeux. 12 $ une fois. Shake it, baby. Shake it, baby. 12 $ deux fois. Salut à Damien pendant qu'on dit 12 $ trois fois vendu. Tu viendras la chercher. Moi, je me déplace plus avec ça. C'est fini. Vous parlerez à mon agent. Dès que je vais en avoir un, bien sûr. Ça vient avec le sac. Check ça, c'est ça qui est le fun. Alors, regarde, montre à tout le monde comment c'est le fun à traîner. Yeah. Yes. Tu vas voir la personne là-bas, là. J'ai pointé au hasard dans le vide. Je ne sais pas où ce qui s'en va. J'ai aucune idée où ce qui s'en va. Mais on passe au prochain lot parce que c'est pas rendu là. Je ne sais plus. Ah! Qu'est-ce que c'est le fun! Oh! M Mystery sur Instagram. C'est pas cool, mesdames et messieurs. Et il a dessiné une dinde déguisée avec une salopette de citrouille. C'est incroyable. Elle a l'air super contente de l'avenir qui l'attend. Probablement couchée sur le dos, une table, toute la farce. Très drôle. Wow! Je suis comme sans voix. Je capote. En plus, moi, le orange, le jaune, là, c'est quelque chose que... Mais pour vrai, là, je kiffe, hein, comme disent les Français. Donc, c'est dans mes couleurs. Il y a du brun aussi. Ah, ben, Baptiste. Ah, là, je suis amoureux de la toile. Donc, vous allez acheter quelque chose qui m'est cher. On commence à 20 $. Oui, ça a déjà été vivant, certains, du moins l'image. 20 $, voilà, 20 $. C'est commencé. Comment? 30 $, 30 $. 35 piastres ici, voyons là. 35 $ qui me donne, mettons, 40. 35 $ une fois. Oh, oh, oh. Oh, 40 $, 40 $. Quelqu'un qui est conscient que ce n'est pas une toile carrée. On ne l'avait pas mentionné avant, mais ça fesse quand tu y penses. 40 $ une fois. 45 $ de notre photographe Caro. 45 $ une fois. Wow, c'est beau, hein? 45 $ deux fois. Comme ça? C'était ma prochaine blague. Qui me donne 50 $ si je la mets complètement à l'envers? C'est capoté! Non, elle est belle comme ça aussi. 45 $ deux fois, je pense qu'on est rendu. Ouais. Trois fois. On va dire vendu, voilà! Attends, je dépose ça ici. Et le VJ de ce soir, c'est Milan, mesdames et messieurs, donc ça va être spécial. Milan est une personne qui fait partie depuis longtemps de Douteux, donc il connaît vos goûts à vous. Bon, set de VJ. Avant ça, on va quand même s'offrir une dernière petite tranche de Selim. Tout-puissant Selim, t'es-tu équipé pour nous faire un autre toune? Il m'a fait des gros yeux, peut-être. Selim ne le savait pas. Selim n'était pas au courant. Vas-y. Ah ouais, on veut un petit peu de Selim. C'est pas de moi, hein, mais... Tu peux... Plein jet d'alcool. Isopropylique.
quelques-uns qui me disent merci beaucoup à Selim, mesdames et messieurs, House Band. Il est incroyable. Ça va nous amener ici à parler un petit peu à la console avec Milan, parce qu'il a dit qu'il était pour passer du temps avec des dames dans le fond de la salle. Donc, on va l'écouter nous présenter son set de VJ avant d'y plonger. Hey, salut Tommy. C'est ça. Moi, je parle pas aussi fort que toi, tu sais. Je pense que je vais me craquer. C'est celle-là. Oh, OK, c'est celle-là. Bon, fait que là, on m'entend. Tommy, il y a quelque chose de très important à te dire. Dans mon set, il y a des clips, puis on va les regarder. Il va y avoir des films, hein? Des films, ben oui, des extraits de films, parce que je voulais faire plaisir à Pascal. Après ça, il va y avoir des trucs d'Halloween, parce que Tommy, comme tu sais, c'est la saison d'Halloween en ce moment. Puis il va y avoir des affaires bizarres, là. C'est pas mal ça que j'ai à dire là-dessus, je te dirais. Puis toi? Moi, je crois à ça, les rengaines, puis je pense que tout le monde devrait apprendre à dire que tu m'aimes. Ben, écoute, voilà, merci beaucoup Milan, c'est lui qui nous a préparé ça. Donc moi je pèse play sur 1h90 de bonheur qui a déjà été broué par un intéressé. Merci à tout le monde qui nous ont amené là dans la soirée jusqu'à date. Voilà,